Coucou les amis! Coucou! On est quel jour? Aujourd'hui, on peut le dire. Le 15 février! Bon, on est le 15 février. C'est mon anniversaire! Elle a 12 ans! Mmh. Bon anniversaire, mon amour! Merci, maman! Mais on va pas vous parler de ton anniversaire. On va vous préparer un haul. Cette fois-ci, c'est pas un haul sur un certain magasin, c'est un haul un peu sur plusieurs magasins. On a fait une journée shopping. Et on avait des chouettes choses, donc... On les a achetées, bien sûr. On va vous montrer ça. On commence par quoi? Il y a Casa, Maison du Monde, Ikea. Donc... Il n'y avait pas Action? Non, pas cette fois-ci. Oui, excusez-moi si je parle de travers, là, mais je suis un peu enrhumée. Moi, je veux Casa. Alors, on commence par Casa. C'est pas un magasin qui va bientôt partir Mais il y en a certains. Non, en fait, Casa, c'est un magasin un peu où on trouve des assiettes, des verres, tout pour la maison. Et certains magasins disparaissent évidemment. On met un peu tout ici en Belgique. Donc voilà, première chose, c'est un joli verre. Je sais pas si on le ramène. Je sais pas si ça changera quelque chose. Voilà. En fait, j'en avais déjà acheté deux et on les a cassés. Donc, on en a racheté. Et dessus, on peut lire Lemon, Smile, Juice, Strawberry, Water. Summer. Alors, on va pas tout énumérer. Donc, voilà, on en a acheté deux. Ils sont trop beaux. Je suis pas partie à celui-là. Ensuite, on a trouvé ça en solde. C'est des petits stickers. À ma chérie, à ma maman. Et si le petit post-it avec. Tu as l'idée de kangourou. Non, c'est des flamants roses. Voilà. Ça tient bien dans l'agenda. Et là, il y a celui-ci où il est marqué To Do, Really, Really, No Way. Avec une petite flèche. No way. Voilà. Et là, évidemment, Mélissa aussi, elle a craqué sur des petites choses. Une petite valise, on va dire. Et tu vas mettre quoi dedans? Voilà, qui s'ouvre comme ça. À voir, ça va être des petits secrets. Hein. Parce qu'elle n'est pas très grande. Hein. Non, j'irai pas en voyage avec. Et là, évidemment, on a acheté encore deux jolies boîtes pour qui? Pour papa. Star Wars. Star Wars. Des boîtes à en fer comme ça. Avec des Stormtroopers bien sûr. Comme il adore. Et elles sont belles en plus. On en a pris directement deux. Voilà. Ensuite on est allé où? À la Maison du Monde. Maison du Monde. Je ne sais pas si vous connaissez Maison du Monde. Alors là on a trouvé. Le petit qu'on n'a pas besoin. Non. On a trouvé une petite chemise en plastique transparente. On appelle ça une chemise. Une chemise en plastique transparente. Une pochette. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Mini chemise. Mini chemise. Mais elle était belle parce qu'en fait il y a toutes des flèches dorées dessus. Pas une simple. Donc je l'ai pris pour moi. Et la jalouse. Tiens, vous voulez aussi, hein? On a pris une pour elle. Parce que c'est trop beau. Et on a pris la même chose. Mais en mini. Porte-carte. Peut-être ouvrir le tiers, sans vous montrer. Si on arrive à l'ouvrir. Voilà. On a compris. Donc ici c'est le porte-carte. Voilà. Et là la petite pochette qui fait enveloppe. Voilà. Trop beau. Et que l'autre. Et un joli crayon. Et t'as oublié ma plume. Tu vas aller la chercher? C'est un Vic. Délicatement. Mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Bah je suis là. Faut qu'elle parte, hein. Je laisse toujours toute seule.
Voilà. Je suis allée chercher ta plume, moi. Ouais. Voilà, j'ai une plume. J'ai des bibi. En fait, c'est un bic. Bon, maintenant, je sais pas comment je vais écrire avec. Et moi, j'ai dit non à maman pour pas en prendre une parce que je crois que je vais la casser aussi. Non. Ouais, il faut être. Parce qu'avec moi, ça va pas durer longtemps, même pas une seule journée, je crois. Mais déjà qu'on dirait que. Ah non, c'est fait exprès. Je pensais qu'elle se cassait déjà. C'est doux. Oui. Voilà, ça c'était pour Maison du Monde. On n'a pas acheté grand chose là-bas. Ensuite, on est allé. Attendez, je dépose tout par terre. Yeah, yeah. Et là, chez Ikea, il y avait des salts. Donc, on a acheté des gants de toilette qu'on avait besoin. Pour le sport classe, mais en fait, on ne les a pas utilisés parce qu'on en avait un bleu. Voilà. Donc, en fait, on en a acheté chez Ikea. Et puis, on va chez Emma, je lui dis, t'as besoin de gants de toilette? Elle me dit oui. Non, ça, c'était d'abord. Non. Si, on avait d'abord acheté. Enfin, soit. Et après, quand je rentre à la maison, je m'en en avais. Ta faute. Mais on a. C'est pas perdu, hein. Non, parce qu'on se lave tous les jours. Donc, c'est pas perdu. Ici, tu peux te laver pendant 2 jours. On en a avec 2. Et alors, un moule à chocolat. Praline. Parce qu'on a trouvé du chocolat bleu, du chocolat blanc. Et on a envie d'essayer. Et je viens de me rendre compte qu'il y en a 3 dedans. Oui, c'est bien. Tu peux ouvrir. Dans 1 heure, ce sera ouvert. Hein. Ça, c'est Mélissa. A few moments later. Et ben ça, en ah fait. Ah oui, pour faire ça. Voilà, découvert. Ouais, regarde, tu avais raison. Donc c'est mal, mais il y en a 3. On peut faire plein de chocolat. Praliné. C'est magique. En tout cas, je sais pas comment elles font avec deux couleurs parfois les pralines, mais je crois pas qu'on y arrive praline. T'es pas pâtissière non plus. Donc il y en a 3. 4. Voilà. Et bien, c'est chouette. Et alors on a trouvé ceci. Je pense que c'est pour faire. Avec... Pour les Noël, la Noël. Mais c'est une passion, ouais. C'est pour faire mais des. Mais c'était en sous. C'est pour faire des moules en chocolat. C'est pour faire des moules en chocolat. En bonhomme de neige. Tiens. En sapin. Et si. C'est pour des chocolats. Ah oui. Des moules à la plasticine. C'est ça. Aussi, mais alors je mettrais plus de chocolat dedans. Hein. Non, non plus. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Il y a un bonhomme de neige. Un sapin. Et l'autre, c'est. Des cloches. C'est une cloche, toi? Oh, parce que t'es une cloche. Ou c'est un bonhomme. Dis donc. Comment tu fermes ça? Ah, bah j'ai fermé. C'est pour ça qu'il y a des élastiques. Si je les perds pas. Cool, élastiques. Je suppose. On va aller au manuel. Quoi? Donc on met le chocolat dedans. Attendez, je cherche en français. Parce que... Ah, voilà. Oui, d'accord. Comment on ira ça? Enfin, on ira ça plus tard. Ce qui nous attend, hein. Tu remets ça dedans? Et alors, on a trouvé des petits sacs faciles, ils étaient que 50 cents. Ben, tu mets les élastiques dans le papier et tout dans la boîte pour pas le perdre. Et alors, j'avais trouvé, je me suis dit, c'était 50 ou 25 cents. Je me suis dit, c'est quand même assez solide. Ça peut toujours servir. Et de nouveau, j'en ai acheté un. Et moi, j'ai. Ah, mais il est là. Et tu cherches. Et elle a acheté le même. Non, un autre. Non, c'est le même. Ah oui. Toujours jalouse. Non, parfois c'est toi qui es jalouse. Allez, bon anniversaire. Ensuite, on a acheté. Pas, merci. Oh, ma plume. On a acheté ensemble. Et alors, on a acheté une jolie écharpe. Pour papa. Pour papa. Oui, bah, je ne sais pas la décrocher, elle est encore accrochée. Voilà. Malgré que l'hiver est presque fini. Tu montres le prix là. Oh, ils ne voyaient pas ça. Voilà, je vous montre le tout. Blanc et bleu derrière, bleu et blanc. Papa, il n'avait pas déjà une comme ça, non? Tout compte fait, je ne la garderai pas pour moi. Quoi que l'hiver est presque fini. Je crois que papa, si tu dis je la garderai pour moi, il ne serait pas content. Et alors, on a fait 2 gros achats. On a acheté un 4.
Parce qu'on a des posters de Star Wars que papa voudrait mettre dedans. Mais ils savent pas aller tous dedans quand même. Il y en a qu'un qui sait. C'est pour tester. Tu vas pas les mettre tous dedans. Ah, j'ai compris maintenant. Donc voilà, on va essayer de mettre un poster dedans, voir ce que ça donne. Trouver une place. Parce que bon, on va dire plein au mur. Et alors. Moi, je vais le prendre. Quoi ça? Bah, le truc. À l'étagère. Et alors, la dernière chose. C'est pour frapper maman. On a acheté une étagère pour mettre dans la cuisine. Hé hey, parce que j'avais acheté en fait les. Comment on appelle ça? Les styles pots de confiture avec les pailles. J'en ai 3 ou 4. Et pour pas les laisser traîner dans l'armoire, on va mettre l'étagère et on va les mettre dessus. Voilà. T'as quelque chose à te dire? Quoi? T'as encore quelque chose à dire? Non. Voilà, je pense que cette vidéo a été un petit peu courte. Mais comme je pars bien, je vais aller me reposer. On essaie de vous préparer des autres belles choses. On a déjà des idées dans la tête. On va essayer d'organiser ça. Et donc, pour aujourd'hui, on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Encore un bon anniversaire, mon amour. Merci, maman. Et n'oubliez pas. Les pouces. Ah, bleu. Ah, oui. Et abonnez. Oui, oui, oui. Likez d'abord. Abonnez-vous d'abord. Likez d'abord. Et abonnez-vous. D'abord, abonnez-vous. Et puis likez. Dégage. Ah, dégage. Dégage. Like. Subscribe. Like. Abonnez-vous. Like. Abonnez-vous. Like. Abonnez-vous. Salut. 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 Abonnez-vous et puis likez.